T'arrives en Argentine dans quel état d'esprit par rapport à tout ce qui s'est passé l'année dernière? Ouais, c'est vrai qu'ici l'année dernière c'est pas forcément un super souvenir. On avait quasiment course gagnée le dimanche et on fait une erreur dans les tout derniers kilomètres du rallye qui nous coûte la victoire. Mais bon, maintenant ça fait partie du passé. On sait qu'on est capable de conduire vite ici. Cette année on n'a pas une WRC, mais on a un coéquipier qui est certainement un des plus rapides avec les Skoda, donc ça va être une bonne occasion. C'est un rallye difficile parce que le plus long du championnat avec la Skoda, c'est peut-être pas le plus facile dans les grandes spéciales de 60 km. Non, les nouvelles spéciales ici sont très très rapides, en particulier la longue. Donc c'est pas plus mal, je pense, pour notre petite voiture. Mais bon, c'est vrai que ça va être exigeant pour la mécanique. In English, Sébastien, you are now in Argentina. Yeah, happy to be here, even if the weather is not so good. From the start of the week, it's a bit difficult. We get a lot of rain and fog. It was difficult to make a good pace note in this condition, but it's time for everybody. Now we're going to try to do our best, like usually, and manage with this difficult condition.